Depuis plus de 20 ans, Eric Milano peint pour les plus grands champions tels que Sébastien Loeb, Sébastien Ogier ou encore Romain Grosjean. Et justement, deux nouveaux casques sont au programme cette semaine pour le pilote français de Formule 1. L'occasion est idéale pour enfiler la combinaison du peintre et découvrir ce métier de l'intérieur. J'ai commencé à peindre des casques pour moi perso déjà quand j'étais pilote de karting. Ensuite j'ai fait les casques pour mes copains du kart. Et petit à petit, ça a démarré comme ça. Et ensuite, j'ai fait la connaissance de Sébastien Loeb et c'est parti. C'est un métier de passionné, donc il faut être assez minutieux, assez patient. C'est très méticuleux, quoi. C'est parti. Après un rapide passage par la case ponçage, première découverte de la cabine de peinture afin d'appliquer la couleur de fond. Tu vas prendre le pistolet, tu vas le tenir à 20 cm du support et tu vas faire un geste régulier de bas en haut en faisant tout le tour du casque en essayant d'éviter d'oublier un endroit. La vraie partie décorative n'a pas encore commencé et pourtant je trouve déjà ça compliqué. Un casque, c'est un petit peu l'image qu'on donne dans la voiture puisqu'il n'y a que ça qui sort. Aujourd'hui, une monoplace, c'est quelque chose qui me tient assez à cœur. Je crois qu'en début d'année, en fonction de la couleur de la voiture, des sponsors, des obligations, on choisit un design. J'aime bien être assez précis sur certains points, mais dans l'ensemble, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est l'image qu'on reflète en dehors de la voiture et j'ai envie que cette image soit aussi l'image que... ma personnalité, c'est-à-dire assez précis, assez, avec des couleurs, mais toujours dans une précision certaine. Justement, la personnalisation commence maintenant avec une étape essentielle, le traçage. Donc là, on va commencer le traçage de la décoration du casque. Donc on va se baser par rapport à la maquette qui a été réalisée. Donc pour tracer le casque, on va prendre un fine line, 1,6 mm, c'est le plus fin. Et donc on va tracer la décoration. Donc tu vas pouvoir t'aider quand même des points de repère de la fixation de la sangle, la visière, le clip arms. Tu as les petits trous comme ça, tu te repères avec ça. À toi de jouer. Donc je dessine la déco avec ce scotch. C'est ça. Et ben on y va. Ben moi j'ai fini. Ça y est, nos casques sont tracés, la peinture de la décoration personnalisée peut commencer. Bon, maintenant on va passer à la phase peinture. Donc on va utiliser le blanc pour faire la sous-couche. Ensuite on va mettre un peu de jaune sur les pointes, un peu d'orange fluo et un peu de rouge fluo juste en dernier pour finir. Sur une décoration personnalisée, chaque centimètre compte. Un travail qui demande beaucoup d'adresse et de patience. Et oui, n'oublions pas que le casque du pilote est aussi un support de communication. L'heure est donc à la pause des sponsors.
déjà pour avoir les bases. Il faut faire une formation peinture, style carrosserie auto, peinture auto. Ensuite, l'aérographe, il faut l'apprendre sur le tas. Ou tu fais une école d'aéro, bien spéciale. Donc ça, c'est que du décor, du main levée, du cache, tu vois, des visages. Sinon, si tu veux faire du design casque assez symétrique, donc là, il n'y a pas d'école pour ça, donc il faut regarder, voler le métier déjà, regarder ce que font les autres. Pour des raisons de poids, on ne doit pas dépasser à peu près 50 grammes de poids entre la peinture, le vernis, les autocollants. Donc on met certains logos peints et certains logos en sticker. D'accord. Donc tu vas poser ça et celui-là. Bon ben ça y est, t'as peint ton premier casque, t'as plus qu'à le signer et après on passe au vernis. Attends. Faut que t'en mettes plus, il faut que ça brille là, ça brille pas. Faut charger un peu plus. C'est l'heure. Voici le casque que j'ai peint pour ton prochain Grand Prix du Canada. Ouais, bon, on va garder Common dans le design, hein, Aero Magic dans la peinture. Y a de l'idée, hein, tu t'es donné de la peine. Ça me fait plaisir que tu t'en rendes compte. Tu vois des défauts quand même, je sais pas. On va pas s'attarder sur les défauts. Je vois des qualités. Ouais, les sponsors sont là. Écoute, je sais pas si j'aurais pu faire mieux, bon, mais dans l'ensemble, on va pas te garder. Bon, on voit que c'est un vrai métier quand même. C'est un vrai métier, c'est certain. Merci Romain. Allez, hein, bon courage. Merci.